Bien, salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour FIFA 21, hein, la carrière RP avec Doncaster Rovers et on a un match contre Bristol City directement. Je ne sais pas si on a un autre match contre le top 6, on va voir. Alors ensuite on a quoi? On a un match contre je ne sais pas qui. On a un match contre Swansea, je ne sais pas s'ils font partie du top 6, eux. Eux, je sais pas, hein. Je sais pas qui c'est, ceux-là. Mais après, on aura un match contre Swansea. Peut-être qu'ils font partie du top au moins 10, je pense. Ça se trouve même pas, hein. On va regarder déjà le classement. Ouais, ils font partie du top 6 pour l'instant, Swansea, donc ça devrait bien se passer. Et apparemment, c'est Preston, d'accord. D'accord, donc c'est Preston. Alors eux, je ne sais pas si on va pouvoir les jouer du coup, puisqu'ils sont 9e, ils ont qu'un seul point de différence par rapport à nous, donc ils peuvent encore sortir du top 10. Donc il y aura possiblement 3 matchs pour cette vidéo-là, mais aussi possiblement que 2 matchs, on verra. Bon, donc du coup, contre Bristol City, on a mis Gomez parce qu'il nous a demandé de jouer. On a mis Alexander sur le côté droit. J'aurais bien mis Lokilo aussi. Lirola en défenseur droit et Lokilo en milieu droit, mais bon. Écoute, on va faire comme ça pour l'instant. Je suis en train de regarder nos options, mais c'est vrai qu'on n'en a pas des masses, hein. J'ai déjà regardé pour lui. Dans l'ensemble, Torrico est meilleur partout. Ok. Eh ben, on va garder Torrico. Allez. On joue le match. C'est quasi l'équipe. Bah non, en fait, c'est l'équipe type, en fait. Je suis con. C'est l'équipe type. Hein, De toute façon, après, on a une grosse pause pour les matchs internationaux. Oh salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate là pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo mon petit pote. Merci Germain Toussaint. Et nous revoici pour une nouvelle rencontre. On se revoit dans quelques minutes mon petit pote. Allez, allez, les commentaires, c'est Germain Toussaint. Mais attention, aujourd'hui on va avoir un match. Oh putain, le match c'est Doncaster Rovers contre Bristol City. Hein, personne ne connaît ces deux équipes, mais voilà, elles existent. Voilà. Il y en a, ils sont en couleur fluo dégueulasse là. Avec Diédou, hein. Diédou, il a marqué 4 buts sur 3 derniers matchs. C'est sympa. C'est sympa. Hein. Mais ce qu'on y pense, c'est qu'il les a marqués contre 3 équipes qui jouent déjà les éliminations. Hein. Donc, c'est 3 équipes qui étaient dans le top 20. Hein. Hein, ils étaient entre 20 et 24e, tu vois. Donc, par contre, je suis désolé, mais leur maillot, il est vraiment dégueulasse. Oh là 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 là. C'est pas possible d'avoir autant de fonte de goût. Hein. Il est horrible. Ah, il est horrible. Enfin bon. On va faire avec. Hein. On va devoir jouer contre cette équipe-là. Hein. On se demande qui aura chier sur la télé, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, mon petit pote, hein. C'est la magie du football. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi. Allez, Malinov pour Gomez. Dit Caleb Seri, ah, dommage. Ils ont bien coupé la trajectoire, mais bon. On la récupère assez rapidement. Hop, ça c'est bon ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Et c'est beau ça. C'est exactement ce que je voulais faire pour une fois. Oui. Oui. C'est beau quand le jeu il fait pas de la merde. Quand le jeu fait pas de la merde, c'est beau. Parce que, pour une fois,
toutes les passes que je voulais sont exactement, enfin étaient exactement comme je le voulais, quoi. Exactement comme je le voulais. Tu as l'inconscience de la mettre. Ah putain. Ça arrive tellement peu de fois qu'il faut... Il faut savourer ces moments. Voilà, le score qui est donc ouvert. Et voilà, le score est de 1-0 pour Don Casser en face. Hein, quand, comme disait un grand maître chinois, hein, qui s'appelle Zhao Wei. Hein, j'invente des noms comme ça. Allez, bascule sur l'aile, l'histoire d'étirer un petit comme disait ce grand maître chinois, Zhao Wei, il faut savoir savourer. Attends, parfois les petites choses. Et ça, c'est une petite chose. Pour une fois, FIFA, il n'a pas fait des siennes, tu vois. Donc c'est bien. Ouais, la prochaine fois, je pense que ce sera un carton. Mais pour l'instant, l'arbitre est clément. Bon, pour l'instant, l'arbitre est clément, c'est vite dit. Hein. Comment tu sais qu'il s'appelle Clément, d'abord. Adam c'était David. À chier. Bon. Voilà. Ouais, ça, c'est bien encore joué. Une faute. Ça peut peut-être aller au bout. Et une deuxième faute. Qui se à la poursuit suite. Malgré ce tac, l'avantage. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Hop là, James ouais, qui s'est sacrifié. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Et on me dit qu'il y a eu un but à Villa Park. Ça joue à Birmingham. Oh non, ça c'est mort. Oh, le but. Oh non, 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 non. Bristol City qui est revenu au score. 1-1. Eh ben putain. Ralenti avec cet énorme. Hein, il faut dire que leur maillot il était tellement horrible que les défenseurs ils sont partis bégère sur le côté. Du coup, ils ont laissé les deux. ils ont laissé les deux attaquants tout seuls, hein, face au gardien qui a rien pu faire du coup. Hein. Il a rien pu faire le gardien, mais bon. Hein, qu'est-ce que tu veux, ma bibiche. Parfois, le jeu c'est ça. Hein. William Cabla. Geste défensif, ce sera donc une touche. William est perdu. C'est quand même bizarre parfois le jeu. Tu récupères la balle, mais ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Adam Nagy. Hop là, merci. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Mais pourquoi pourquoi Follet il est parti? Ça, c'est la question. Oh putain. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. 2-1 pour eux. Ce résultat maintenant, ça va pas être facile. Didiou qui a marqué. Hein. Enfoiré. Il mène à la marque désormais 2-1. Il avait bien senti le coup. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham et je crois qu'il y a eu un but à Villa Park. Putain. Oui, deuxième but à l'instant en faveur d'Aston. Au niveau défense, c'est pas donc ouf hein. Deux buts à rien pour l'instant. Il me manque quelque chose. Par contre, ça y va les avantages. Allez, pour eux. Ils ont marqué avec ce duel. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Ah putain. Après un bon pressing, eh bien, ils je sais pas la mais du ballon. Il y a, ils m'ont accordé une action. Ils laissent l'avantage. Pas deux, hein. Ouais, c'est bien. Tiens, mange. T'as vu tous les avantages qu'ils ont? C'est incroyable. Maîtrise. Bon, il y a des avantages, je suis d'accord. Mais il y en a, je suis pas du tout d'accord. Une option disponible. Tiens. Ouais, encore avantage. Préfère laisser l'avantage. À mon avis, je vais me recevoir 5 cartons d'un coup. Quelqu'un dans l'axe. Oh, oui, attention. Ouais, au moins, t'es sur celle-là. Ah, bon centre, mais la défense est sereine. Oh, le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Je me suis toujours pas reçu de carton. Adam Nagy. Je crois l'arbitre, il connaît qu'une seule règle, c'est l'avantage. Il peut le mettre. Il met la puissance. Oh putain, ça, ils sont beaucoup trop offensifs à mon goût. Un peu. Ouais, c'est beaucoup trop. Ça. Allez, juste à ce moment-là où je fais ma passe, forcément l'autre il avance, tu vois. Aurait pu lui coûter cher. Mais ah, ça m'énerve ça. Avec cet arrêt. Ouais. Si, je suis pas sûr que cet arrêt rassure tout le monde en fait. Allez. Rodwell. Ah putain. Oh, cadeau. La fin des 45 premières minutes. Je me retourne, le ballon il est pas avec moi quoi. Il reste au loin. Hein, c'est dommage. Hein.
pour l'instant 2-1 pour Bristol. Il y a moyen de faire match nul, mais gagner ça risque d'être compliqué. On est à la moitié du chemin, c'est reparti. Maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Eux, ils ont le droit, mais moi j'ai pas le droit. Moi, je fais ça, il y a direct avantage pour eux. Oh putain! Évolution du score à Norwich, je crois. Est-ce j'aurais dû fermer ma gueule tout à l'heure. Hein, en disant pour une fois, le jeu il fait ce que je veux. Bah ouais, donc, une fois. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Us! Dans ta gueule! Et c'est le but, ils reviennent dans la course, ils égalisent! Il venait du cœur, on est d'accord, hein? Ça venait du cœur ce cri de guerre là. On va enlever Follet et on va mettre Lokilo. Lokilo milieu offensif, tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Hein? Tu n'as pas vu venir celle-là? Jeu de merde, hein? Oh, le but, bon, j'ai pas trop envie de tailler le gardien sur ce coup, il a fait ce qu'il a pu, il sort même un bel arrêt pour commencer. Le gardien, il a bu, il sort même. De toute façon, à partir du moment où c'est l'équipe adverse, tu veux jamais tailler. Allez, mais par contre, à partir du moment où c'est notre équipe, tu tailles toujours les joueurs. Alors ferme ta gueule, gros Ménès. Il casse les couilles. Prochaine fois, tu t'iras manger chez ta grand-mère, hein? Tu regarderas le match télé à la télé chez toi et t'arrêteras de commenter pour rien dire. Voilà. Bien avec. Non, ça ne passe pas. Hop. Ça passe. Ça passe. Ils étaient nombreux, les clubs sur les rangs. Mais le jeu. Je sais pas si ça passe. C'est donc mis d'accord avec l'un d'entre eux. C'est bien ce qui me semblait, mais. J'étais pas sûr. Oui, sachez que la transaction se situe. Je savais que Zadisseri était en jeu, mais. Ouais. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres. On est où? On va peut-être enlever Gomez et mettre Watts. Avoir plus de défense. Non plus, hein. Ça me paraît être un choix judicieux. Adam Nagy. Ouais, Watt, vas-y, Watt, vas-y, cours pour ta vie, cours pour ta vie. Tu viens juste de rentrer, mon gars. Eh oui, oui. Ce hold-up, ce hold-up du cancer. Attends, il faut changer un truc en défense, là. Attends, qu'est-ce que je peux changer? Mettre Nkobo à la place d'Alexander et mettre Lirola en défense pour vraiment faire en sorte que la défense soit bonne, si tu veux. Ou alors on met Stevens. On met Lokilo ici, Stevens en milieu offensif. On va revoir tout ça. D'abord, il élimine un joueur en défense. On revoit le joueur qui échappe à la défense, voilà. Et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Il faut l'arrêter! Bien joué, Dabo. C'était un peu bourrin comme intervention, mais bien joué. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Wells. Crap, putain. Ouais, bien joué par-dessus. Adam Nagy. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Oh non. Ça pue. Balle, oh putain, Torrico. Allez, si je peux avoir des points là-dessus, franchement, c'est énorme. Bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Si je peux avoir 3 points, c'est encore mieux, mais après. Oh, l'arbitre qui a désigné le point de penalty. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, sérieux.
Sérieux, eh, penalty là-dessus. Penalty là-dessus. Ah putain. Mais ce scandale quoi, ce scandale. Allez, va sur la gauche. Il tirera sur la gauche. Allez, bim, qu'est-ce que j'ai dit? Le gardien sûr de lui. Bien joué Torico. Gardien qui fait le bon choix, c'est parfait. Superbe exploit du gardien vraiment sur ce penalty. On ralentit, on voit. Bien joué, bien joué. C'est le gardien qui fait le bon choix. En deux temps, peut-être ce corner. Hop là. À un moment donné, ça va. Si ça peut me permettre. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ouais, c'était un peu sorti ça, monsieur l'arbitre. Hein. Non, elle a été interceptée cette passe. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Tiens, Zadi Seri, tu cours plus vite que Rabuel. Ça, ça peut devenir dangereux. Oh la passe! Ah, putain de ta mère! Il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez! Reste concentré en défense. C'est un match qui s'emballe. Passe plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Vas-y, Virola. Peut-être le ballon le plus important de ce match. C'était pas du tout ce que j'avais en tête. C'était pourtant bien donné. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham. Et je crois qu'il y a eu un but à Villa Park. Tout à fait, Hervé, un nouveau but en faveur d'Aston Villa. Au tableau d'affichage, on en est. Mais pourquoi t'es pas. Putain, mais. What? What? Pourquoi il est pas allé la récupérer celle-là? Pourquoi il est pas sorti? Putain, mais le gardien, il pouvait sortir là-dessus. Ah non, mais là, c'est la faute du gardien, là. La jambe de frappe bien parallèle au sol. Ah putain. Je sais pas le faire, mais c'est ça, le secret. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. La passe est interceptée. Mais non, je suis blasé. Je suis blasé. Il avait bien lu la trajectoire. Les trois dernières minutes de ce match, on y est. Ah, tout le monde tremble hein, sur cette attaque parce que ça va se jouer là. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ah putain. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. C'est dommage. Hein. Ah oui, il cherche un partenaire. Allez, dans la profondeur. Dernière tentative. Attention, on peut y aller. Oh, pourquoi? Putain. Oh putain, trop tard, je suis nul. Je suis nul. Le coup de sifflet final. Bon, écoute, ça voulait dire que le 3-3 était mérité. Mais au moins, on a récupéré un point, c'est déjà bien. C'est déjà bien, on a récupéré un point. Là, franchement. Bon, c'est vrai, on aurait pu gagner, hein, mais. C'était quand même équilibré, hein. Ils ont eu une. Enfin, je suis désolé, mais ils ont eu une mi-temps, j'ai eu une mi-temps. Ouais, c'était équilibré, quoi. C'était super équilibré. Je peux pas gueuler là-dessus, même si. Y a le gardien, clairement, sur cette passe-là, il aurait pu sortir 1000 fois pour la récupérer, hein, mais bon. Et si tu veux. Hein. Joueurs sont déçus et ils peuvent l'être. On n'a pas été bons, tout simplement. On n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Quand l'adversaire a égalisé en seconde période, vous pensiez pouvoir faire la différence? Le nul était mérité. Parfois, il faut être réaliste. Le nul était mérité et je pense que Bristol City partage cet avis. Yedou a été l'un des meilleurs joueurs adverses. Votre incapacité à l'arrêter explique-t-elle votre impuissance à obtenir un résultat positif? Je préfère me concentrer sur ce qu'on sait faire. Il y a des secteurs à améliorer, ça c'est sûr. Alors, Gomez. J'apprécie que vraiment que vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. T'as fait un bon match. Joueur appelé en sélection. Offre de transfert pour Greaves. Ah. J'accepte. De toute façon, Greaves, j'aurais pas beaucoup d'autres occasions.
Christian Malinov. Ok. Y'a que lui ? Bon. Alors, entraînement. On va faire les entraînements. C'est bien, vas-y, fais-les. Hop. Alors, fais voir notre effectif, ce qu'on a récupéré dans nos joueurs. C'est Bristol, ok. On en a vendu 3, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé. Enfin, 2 avec Torico, mais il est arrivé depuis avant, en fait. Giovanni Thuram, t'es sérieux? Il a l'air intéressant aussi, hein, mais bon. Alors. Dans mon accueil transfert, il doit certainement y avoir des joueurs intéressants. Ouais, pas ouf. On a Bayala qui pourrait être intéressant. Mais ça ferait beaucoup de milieu droit en fait. C'est ça surtout. Lui il pourrait être intéressant. Défenseur gauche il pourrait être. Du coup ça pourrait être pas mal. Lui pourrait être intéressant en tant que milieu offensif. Sinon il y a Cartagena, Santiago Cartagena qui est milieu défensif, qui pourrait être également intéressant. Mais bon, après, on a déjà 3 joueurs, enfin 4 joueurs milieu défensif, donc c'est déjà intéressant, en fait. Hein. Dans l'ensemble, on est déjà bien. Sinon, il y a Famana Kizera en milieu offensif, qui pourrait être pas mal également. Ouais, tout ça, c'est très compliqué quand même comme choix. On a Alexander Lizov qui pourrait être buteur. Il fait que, combien, 1m72. Ouais. Si tu veux le mettre buteur, par contre, il faut vraiment augmenter à mort au niveau vitesse, quoi. Bah écoute, je pense pas que je vais faire de enfin d'autres mercato. Hein. Franchement, à part pour augmenter. À part pour augmenter ma défense réserve. Ou peut-être avoir un milieu offensif supplémentaire à la place de E8. Mais encore, E8, je le trouve pas mal. Non, franchement, à part augmenter la réserve en défense, je vois pas. Ouais, bon. Bah écoute, je pense qu'on va rester comme ça, on verra bien. Greaves vendu. Offre de transfert pour Lawlor. Ah ah. Si on me demande un transfert pour Lawlor, c'est différent pour Toby Day. Je vais regarder pour Toby Day. On va négocier pour que ce soit un prêt sans option d'achat. S'ils ne veulent pas, on transférera Lawlor. Je propose un prêt sans option d'achat. Et ils ne veulent pas. Eh ben. Yann Lawlor, du coup. On va négocier quand même. Hein. On va voir un petit peu plus. Oh putain, ce bug, quoi. Fais voir un petit peu tes gardiens, toi. Andreas Linde. Joao Silva. Je ne sais pas ce qu'il vaut, lui, hein. Est-ce que je peux regarder vite fait sur SoFIFA?
Non, parce que si je me fais enculer, ça va pas le faire. Alors, Joao. Silva. Fais-moi voir ça. Ouais, je risque de me faire enculer en fait. Donc ce serait plus Andreas Linde. Mais à mon avis, ils voudront jamais, hein. Je pense. Donc on va juste proposer un nouveau montant, on va proposer 1,5 million. Très bien, ils veulent bien. Donc l'offre de transfert pour Lolor, c'est fait. J'avais un gardien là dans l'accueil transfert. Est-ce que il y est toujours? Ouais, c'est lui. Ouais, il sera pas forcément meilleur. Hein. En vrai, je pourrais prendre lui. Hein. Défenseur gauche. En tant que défenseur gauche, il pourrait être intéressant. À la place de Horton. Par contre, Lirola, faut vraiment qu'il augmente son endurance. Hein. 75 de général, c'est pas suffisant. Il se crève beaucoup trop vite. Bon. Ah, Watt, ça a augmenté d'un point, c'est cool. Gomez aussi. Je regarde les autres, mais... Je crois pas que ça a augmenté les autres, hein. Bah écoute, Toby Day... Je vais enlever ton prêt. Voilà. Et peut-être, je dis bien peut-être, que tu pourrais avoir un petit peu de temps de jeu pour cette année. Offre de prêt avec option d'achat. Offre de prêt avec option d'achat pour Matthew Stevens. Je vais négocier, on verra bien. Parce que de toute façon là, il va falloir que je cherche un autre buteur. Alors, on va accepter. Durée du prêt, 2 ans. Je propose un prêt de 1 an. Ça j'accepte. Mais par contre le salaire, enfin le futur transfert, 1 100 000 il propose. Enfin, 150 000. Je voudrais 1 300 000. 1 150 000. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Allez, je vous fais une petite ristourne de 50 000 parce que je suis sympa. Voilà. Je savais qu'on pouvait faire affaire. Donc. Ouais, du coup, tu dois chercher un buteur. Mais justement. Justement, Billy. D'après toi, je suis en train de faire quoi? Hop. Accueil transfert. Tac. Lui en buteur pourrait être pas mal. Lui aussi pourrait être pas mal en buteur, je pense. Quoique non. Non. Lui, de base, c'est un buteur. Tu.
Je regarde un peu hein, les différents joueurs. Alors, pour l'instant, je vais prendre un buteur en prêt. Hop. À prêter. Brighton, carrément. Il a l'air intéressant. Hein. Chang Chong Chong. Carlos Kevin. Dumitru. Christian Dumitru. Mané. Voilà où fait. Ibanez. Ouais, il y en a plein. Hein. Je me demande juste s'il n'y en a pas un qui vient de du VFC, juste pour voir. Il n'y a pas l'air. Raymanage qui vient du FC Barcelone, carrément. Sergio Díaz qui vient du Real Madrid, eh ben, ça y va, hein. Ben, y a William Goebbels qui vient de l'AS Monaco. Pour être un bon prêt, ça. Un bon petit prêt. Un prêt de 6 mois, hein, juste le temps qu'on trouve un attaquant dans les jeunes joueurs qui sont... Enfin, les jeunes joueurs qu'on est en train de rechercher. Donc là, hop. Alors, terme de base. Court terme. Non, ils veulent le laisser un an. Eh bah écoute, j'accepte. On va pas chipoter. 50-50 pour le salaire. Et on verra si Goebbels accepte ou pas. Prêt de Goebbels rejeté. Enfoiré. De toute façon, je savais que t'étais un nazi. Le gars, direct. Aïe, aïe, aïe. Ah, faut pas m'écouter parfois. Hein. Misère. Bon, eh ben, du coup, on va chercher un autre joueur. À prêter ou... Ou dans les agents libres. Non, je préférerais à prêter. Eh bah écoute, on va regarder Connolly, hein. Connolly, tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît? Eh, pourquoi faire? Eh bah, je sais pas. Eh, pourquoi faire? Bah, t'as qu'à venir avec moi. Eh, pourquoi faire? Aïe, aïe, aïe. On a les... On a les références qu'on mérite, hein. Alors, terme de base, prêt à court terme, ils veulent le laisser partir un an, vous cassez les noix. Alors, pouah, il est hyper cher, il est hyper cher, je peux pas me permettre autant, mec. Même 50-50, C'est un gros salaire que tu me demandes, là. Bon, après, on verra, hein. Si ça se trouve, il pourra pas, hein. Ou il voudra pas. Rejeté. Non. Stevens prêté, retrait de l'offre pour Toby Day. Offre de transfert pour Anderson. Oh, oh, oh. Eh, ça y va, mais les transferts, là. Hein. Eh, il y a un moment donné, si je fais tous les transferts là, j'en fais aucun pour les transferts hivernaux. Hein. On est d'accord. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais en soi, je voudrais bien le transférer parce que je voudrais prendre le joueur d'Arsenal.
Attends, je vais déjà regarder si le joueur d'Arsenal il serait d'accord pour partir. Parce que s'il veut pas bouger, ça sert à rien. Alors, joueur d'Arsenal, alors, tac, c'est Medley. Ouais, il voudrait partir. Il voudrait partir. Eh bah, écoute, on va accepter dans ce cas-là. Parce que là, par contre, ça peut être très intéressant, le petit Medley à la place d'Anderson. Certes, je perdrais pour le moment d'efficacité, mais... Mais en soi, ouais, ça... Ça peut se faire. Alors, il faut que je recherche ça. Alors, on va quand même négocier, hein. On n'est pas des... On n'est pas des chiens. Proposer de nouveaux montants. 1 750. 760. Juste... Juste parce que. Ouais, bah, c'est... Ils acceptent direct. Tant mieux. Ça me fait ça de moi à regarder. Alors, Medley, approché pour un achat. Alors. Alors, il me semble que c'est Zeke Medley, hein, c'est ça. Hein. Alors, on va proposer un transfert. Ah, donc 1 million... 6. Et je soumets l'offre. C'est équitable. Eh bah, c'est bien ça. En plus, je pense qu'il peut être intéressant, vraiment. Il peut vraiment être intéressant. Hop, on va négocier directement son contrat. Rotation. De toute façon, tu vas être titulaire, mon gars. Trois ans, c'est bien. 3 ans. Ok, pas de clause de libération. On va passer au terme pécunier. Je sais pas si ce sera suffisant pour lui. C'est une offre acceptable, il est satisfait. Très bien. Eh bah écoute, nouveau venu. Nouveau venu dans l'équipe, hein, bienvenue à toi. Je me demande si Kizera en buteur, il pourrait le faire. Hop. On va regarder d'autres buteurs, hein. Hop, chercher joueur. Donc, buteur à prêter. Kavlak. Bah, écoute, on va pas se faire chier. On va réinitialiser tout ça. Je veux que tu regardes. On va essayer de regarder avec VFC, hein. On vient de là-bas, donc... S'il peut nous donner un petit gars qu'on pourrait former en tant que buteur. Un Moussa Gueye en tant que buteur, ça pourrait être pas mal. Baptiste Guillaume, non. On va quand même pas leur mettre, enfin leur prendre un des meilleurs. Ah, par contre, ils ont plus qu'un seul buteur. Mais c'est pas possible, il leur faut un autre buteur là. Piccolo en tant que buteur. Non? Ça pourrait pas le faire, ça? Il a l'air d'être assez... assez polyvalent, donc je me demande si ça pourrait le faire, en fait. Joris Ngiamba. C'est un de tes nouveaux, ça? C'est un de tes petits jeunes du centre de formation, mon petit gars du UFC. Eh bah, tu vas venir faire un tour avec moi. S'il veut bien, bien sûr. Et là, par contre, je vais le mettre en tant que buteur.
Je vais l'apprendre. Je vais lui apprendre à travailler en tant que buteur. Terme de base. On va demander un an. Ok. Alors, pas pousser, hein. t'es notre pote, hein, VFC, mais à un moment donné, voilà. Je veux quand même avoir un petit peu de thune sur moi. Alors, est-ce que tu vas accepter, Ngamba? Connolly prêté. Aaron Connolly sera disponible pour être titulaire. Attends, parce que j'ai complètement zappé quelque chose là. Il y a une couille dans le pâté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est notre buteur. D'accord. Alors, tac. Hop, voilà. Alors, Connolly, 72 de général, à la place de Rabel, ça peut être intéressant, hein. Je vais le mettre de temps en temps quand même, mais bon. On va pas non plus le mettre tout le temps, hein. Hop. Donc ça, oui, c'est bon. Alors, Connolly, mon petit Connolly. On va tout de suite regarder un petit peu avec toi. Un petit plan de développement. Mon avis, toi, c'est plutôt attaquant mobile qu'il faut mettre. Plutôt que attaquant complet. T'as l'air d'avoir pas mal de vitesse, donc on va parier là-dessus. Quant à notre petit nouveau Zach Medley. Fais voir. J'aimerais bien déjà augmenter ton mauvais pied. Et on verra après. Ça mange pas de pain d'augmenter le mauvais pied. Hein. Alors, est-ce qu'il va accepter l'autre? Ngamba prêté, Anderson vendu. Eh bah, très bien. On va te le former, ton petit. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on va te le former. Alors. Le poste. Et merde. Donc le poste. Il faut pas grand chose pour être milieu droit et milieu gauche. De ce que je vois. Pour être buteur, il lui faut 70 semaines. On n'aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps, malheureusement. Je sais pas ce qu'il leur manque au VFC. Mais franchement, pour moi, il leur manque un buteur. Pour moi, il faut que tu fasses un plan de progression buteur. Ça me paraît logique. On va tenter, hein. Bon, il y a quand même eu pas mal de bordel sur la fin, hein. je l'avoue. Offre de prêt pour Follet. Ça, par contre, c'est mort. Je rejette l'offre. Alors. On va regarder nos transferts, quand même. Voilà, alors DRFC, on a Lirola, Medley qui sont arrivés, il y a Taylor, Hallyday, Bentwood, Greaves, Lawler, et il y en a certainement quelques-uns qui sont pas dedans, qui sont partis. Alors ah non, mais quand je vous dis que c'est un gros truc quand même, hein, un gros mercato qu'on a fait. Hein. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Il y a toujours 15 ans, ça m'intéresse pas pour l'instant. Josh Onoma. Son contrat se termine dans 10 mois, tu dis? Ouais, bah, dans 10 mois, il faudra peut-être que je regarde de plus près. Lewis O'Brien, 72 de général aussi.
Ce contrat se termine bientôt. Pas mal aussi. Rapport final de Steven Cessignon. 68 de général. Pas mal aussi, mais il y en a beaucoup de Fulham hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Alors, les entraînements. Bah écoute. À part celui-là où on va faire un autre exercice, on va faire la patate chaude. Il y a la place de E8. À la place de E8, on va mettre Alexander. Voilà. Bonne chance. Voilà. Alors, je ne sais pas à combien on en est hein, dans la vidéo. Oula, on a pris beaucoup de temps pour faire le mercato. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, chers amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Dino Oliveira. Ciao !